Deuxième chose, putain, je suis vraiment deg parce que demain j'ai mon tournage avec GMK qui vient à la maison. Et je lui ai dit, je vais te mettre toutes mes caisses alignées comme ça et on va faire, pardon, excusez-moi, une belle vidéo sur ta chaîne. Et j'ai mon M5 qui, avec lequel j'étais aujourd'hui, je devais remettre le diffuseur d'origine. Salut Nassim. Ouais. J'ai donné deux diffuseurs à Nassim en début de semaine. Je lui ai dit, ça c'est pour la M3, ça c'est pour la M5. Le bon Nassim s'est emmêlé les pinceaux, du coup, le diffuseur de la M3, il est du couleur de la M5, et le diffuseur de la M5 est couleur de la M3. C'est con! Donc, du coup, là, Nassim est parti avec le bon diffuseur pour le faire repeindre chez le carrossier. On va essayer de le monter demain, mais bon, c'est peine perdue. Et en plus de ça, mon M3 E36 est chez Europe BM Shop. Donc pour la vidéo, il n'y aura pas toutes mes caisses, dont ma préférée qui est la E36. Donc ça, c'est un peu chiant. Et puis les tournages avec GMK, tu vois, c'est incroyable parce qu'en fait, on va faire deux tournages. Lui, il va filmer mes caisses. Et moi, après, quand on va aller déjeuner ensemble tranquille, je vais faire un vlog, tu vois. Mais le truc, c'est que tu vois, j'aurais voulu avoir toutes mes caisses, enfin toutes mes young timers alignées comme ça aurait été un délire. Il manque une, la principale, mais ben, c'est mort, comme on dit.